Avec toutes les preuves que j'ai, j'arrive pas à sauver mes enfants. Ma fille gamine, très tôt, m'avait dit, maman, je vais mourir. L'année dernière, au tribunal, il est venu, il était incontinent. Je pense qu'il avait le sphincter défoncé, hein. Ça sort tout seul, je sens pas quand ça vient. Je découvre aussi, une fois, en rentrant de déplacement, que mon fils a une hémorragie anale. À la dernière visite médiatisée, j'ai relevé que ma fille avait une brûlure de cigarette entre les cuisses et une trace de morsure sur la cuisse. Donc, je lui ai fait relever ça et je pense que ça a été l'élément déclencheur. On m'avait enlevé mes enfants pour avoir dénoncé la pédocriminalité. Je suis condamnée et je n'ai plus le droit aujourd'hui de voir mes enfants que je ne voyais que 2 heures par mois. Je l'ai emmené chez le médecin à plusieurs reprises et je lui ai montré les irritations. Et il lui a même donné des ovules pour traiter des infections. Des MST alors qu'elle avait 2-3 ans. Le zizi de papa quand il se réveille tout nu dans la bouche, les fesses. Voilà, j'ai énormément d'enregistrements. Et là, la psychologue a dit, bon, écoutez, stop, il faut arrêter le massacre, les enfants doivent retourner chez la mère. Donc ça, elle l'a écrit sur un rapport, Oui, j'imagine. bien sûr, qu'on a Alors. apporté comme pièce. Mon fils a dit qu'il avait été étranglé parce que son père l'avait forcé à une fellation. J'ai même l'enregistrement téléphonique où mon fils raconte ça au téléphone. Mais je l'ai donné aux gendarmes, j'ai tout fait écouter, les juges nient les pièces, elles disparaissent du dossier, c'est assez monstrueux. J'appelle la gendarmerie. Je lui ai dit, ouais, parce que les enfants continuent à parler, je vous donne les enregistrements, ils font des dessins, ils font des vidéos et tout. Il me dit, non, non, on a eu le rapport psy, elle a été très rapide, elle nous l'a donné tout de suite, parce que là, il y a urgence. Le contenu est tellement lourd qu'on n'a même pas besoin de vos preuves, il me dit. Il va aller en prison direct, celui-là. Et on voit que le notaire a mis un signe qui est trois petits points. Un slash, trois petits points. Je me suis renseignée en essayant de comprendre ce que c'était que ce signe, et là, on m'a parlé de franc-maçonnerie. Dans ce rapport, quand le juge a repris cette partie qui me condamnait, bizarrement, il y a aussi ces fameuses 3 étoiles. Dans le fameux rapport du juge des enfants, il y a également ces 3 étoiles. Et c'est monstrueux. Donc il y a bel et bien, en effet, des meurtres d'enfants. Elle me décrit clairement, hein, qu'il y a des cages avec des enfants qui sont en danger, qui sont enfermés là-dedans. Il me dit, bah, c'est des têtes d'enfants morts suspendues au plafond. Aujourd'hui, sur Le Parisien, a été donné la parole à un auteur qui parle de 70% de francs-maçons, voilà, pour le dire, parmi les commissaires de police. Comme disait un confrère un jour, on va à la réunion de loge le vendredi soir, à la partouze le samedi soir et à la partie de chasse le dimanche. Vous avez 30 avocats dans le même barreau, le parquet connaît le commissaire de police, on se voit au Rotary. Si on n'est pas sur du réseau, moi, on m'a saboté ma voiture à plusieurs reprises, on m'a enlevé les boulons. Un jour, donc j'ai fait plus de 600 km avec quand même que 3 boulons en moins sur le roue. Hein. J'ai vécu 3 agressions, d'accord? Et la dernière a été qualifiée d'agression pour tentative de meurtre, et la troisième personne a été arrêtée. Elle a essayé de m'écraser quand même. D'après les gendarmes et l'enquête, il avait vraiment le souhait de me tuer. On dit juste qu'il a eu 4 mois de prison ferme parce qu'en fait, il a été prévenu la veille de son arrestation. Le jour de son arrestation, il a pris l'avion et donc il s'en est allé pendant 1 an à l'étranger, donc à Madagascar, et il a été cueilli parce qu'il a eu un mandat d'arrêt international, puisqu'il a quand même été reconnu comme étant. Pour votre histoire? Oui, pour mon histoire, bah, puisqu'il voulait me tuer. Donc D'accord. là, on avait des preuves, on avait des témoins, on avait une caméra vidéo, c'était difficile de le nier, quoi. Dans Grenoble, je vous rappelle quand même que c'est le réseau où il y a Nordal Lelandais, hein, qui est protégé par Jakubowicz. Hein. On ne sait même pas comment il peut se payer Jakubowicz, hein, Nordal Lelandais. Nordal Lelandais qui fournissait des enfants, hein, au réseau pédo de Grenoble. Hein. Et qui, par le plus grand des hasards, a eu la chance de voir disparaître les pièces qui l'incriminaient quand même, puisqu'elles ont été brûlées. Nous, on a créé la MAPIF, hein, MAPIF 38, hein, qui est une ONG qui va nous permettre de se faire entendre. Et le but du jeu, c'est de percer au niveau international. Et on voudrait en fait poursuivre l'action qu'a démarrée Stan Maillot, où il a eu la bonne idée de faire entendre les trois cas de mamans qui ont été injustement spoliées, enfermées pour certaines, et on a retiré leurs enfants. Parce qu'elles ont voulu les protéger de la pédocriminalité. Et de vrais magistrats, alors manifestez-vous, purée, faites quelque chose de votre vie, parce que moi je serai juge, je serai flic, je serai avocat, je laisserai faire ça, mais enfin, je pourrais même pas me regarder dans une glace, quoi. Vous qui savez que nos enfants se font violer, mais purée, faites quelque chose, quoi. C'est vous qui avez le pouvoir, vous attendez quoi?
Vous continuez à faire ça, mais comment vous pouvez aller dormir le soir, embrasser vos enfants sur le front, leur faire croire que vous êtes des héros de gendarmes, alors qu'en fait, vous savez, vous cautionnez, vous permettez les viols et les meurtres de nos enfants? Je suis Gladys Riffer de Je défends mon enfant. Concernant ma cagnotte, sachez que 50% sert à mes procédures judiciaires et le reste est reversé à des lanceurs d'alerte. En effet, il regorge d'idées et il est important de faire connaître ce fléau au grand public. C'est ensemble que nous allons y arriver. Merci.